Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Shiba et d'un nouveau partenariat Shiba qui est sponsor officiel d'un événement important dans le monde de la crypto-monnaie, dans l'écosystème merveilleux de la crypto-monnaie. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Nous allons aussi faire une excursion du côté de Wall Street pour voir ce que les banques font là-bas en s'intéressant aujourd'hui aux crypto-monnaies. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Blockchain Futurist Toronto, deuxième édition, voilà, successive auquel Shiba est sponsor officiel pour la deuxième fois. Alors, le Shiba Uni est le sponsor officiel de cet événement blockchain et crypto-monnaie. Voilà, assez important dans l'écosystème des crypto-monnaies organisées au Canada, précisément à Toronto. Alors, cela est la réplique, on va dire, du côté de la Silicon Valley, où il y a plusieurs événements concernant les crypto-monnaies. Alors, quand on parle de la Silicon Valley du côté de l'Amérique du Nord, alors on indexe directement, voilà, le Canada qui est très très installé en termes d'innovation et aujourd'hui en termes de crypto-monnaie. Alors c'est l'événement, voilà, blockchain futuriste met en lumière vraiment tous les talents dans le domaine de la crypto-monnaie, que ce soit les développeurs, voilà, les designers, alors tous ceux qui en tout cas collaborent dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors c'est l'occasion pour eux d'échanger de leurs expériences. Alors le Shiba, alors va parrainer encore pour la deuxième fois cet événement là. Alors l'année dernière le Shiba a été sponsor officiel, cette année encore sponsor officiel. Cela dénote quelque chose de très important qu'il faut mentionner ici. Cela montre l'importance du Shiba. Alors il existe beaucoup de crypto-monnaies. Toronto Blockchain. Alors au cours de cet événement, il y a un événement qu'on appelle ETH Women, où on met en exergue tout ce qui est femme, tout ce qui est en tout cas côté féminin. Alors les femmes sont mises à l'honneur là-bas, tout ça aussi avec voilà, saupoudré par voilà l'Ethereum, voilà, en arrière-plan. Alors tout ceci dénote que il existe plusieurs crypto-monnaies. Voilà, mais pourquoi Shiba en tant que sponsor officiel? Alors, il a quitté carrément la catégorie des mêmes points. C'est à partir de son développeur principal qui est Shitoshi Kusama, un expert dans sa manière de fonctionner, d'avoir envoyé le Shiba à ce niveau-là. Et aussi la technologie, toutes les technologies qui sont mises derrière le Shiba. Alors, l'année dernière, Shitoshi Kusama a pris la parole de façon virtuelle à cette conférence. Cette année encore, il prendra la parole. L'année passée, il avait annoncé la sortie du Shibarium qui est aujourd'hui effective. Alors, cette année encore, il prendra la parole encore pour parler de d'autres événements tels que, par exemple, le Twist. Voilà, donner plus d'informations sur le Twist. Donner aussi des informations sur le Shi, le stablecoin de Shiba aussi qui va sortir aussi. Certaines informations aussi seront relativement données sur ce stablecoin qui est beaucoup attendu par la communauté. Notons que Shitoshi Kusama et l'équipe de Shiba offrent des billets gratuits pour toutes les personnes qui sont de la Shiba Army. Alors vous pouvez aller soumettre votre candidature pour avoir ces billets gratuits, avoir la chance d'avoir ces billets gratuits sur blockchainfuturistconference.com. Vous partez là-bas, vous allez avoir la possibilité, voilà, de gagner des tickets gratuits. Notons que cet événement n'est pas gratuit. Je le précise, l'événement n'est pas gratuit. Alors, pour participer à l'événement qui va réunir plusieurs développeurs d'applications dans le domaine de la blockchain, qui va mettre en lumière plus de 7000 participants, 250 haut-parleurs, voilà, et plusieurs méga cabanes extérieures. Alors, c'est un événement, voilà, très 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 important dans l'écosystème des crypto-monnaies, et donc c'est payant pour y participer, avoir les stands et tout ça, c'est payant, et les prix varient entre 499 dollars, voilà, est passé aujourd'hui de 499 dollars, c'est passé actuellement, ce stand là est passé à 549 dollars.
Alors le stand qui était à 949 $ alors est passé désormais à 1049 $. Pourquoi tout cela dénote de l'importance de l'événement et les stands sont repris par les participants comme des petits pains. Voilà, donc du coup, le Chiba est à l'honneur. Il a aussi son stand sur les lieux. Et donc, voilà, tous les produits qui sont présentés par le Chiba. Alors, il y aura des gens qui vont présenter ces produits-là aux différents participants qui vont aller dans le stand de Chiba. Et donc, tout ça, c'était un truc très important, d'autant que le 18... du 18 au 19 avril dernier, le Chiba aussi a participé à un événement important au niveau du Dubaï qu'on appelle Token 2049 à Dubaï du 18 au 19 avril dernier. Alors le Chiba aussi a présenté aussi ses produits lors de cette de cette conférence aussi. Alors cette fois-ci, alors la conférence va se tenir dans le mois d'août, voilà, et donc cette conférence va se tenir du 13 au 14 août 2024 à Toronto. Et donc, un événement assez attendu dans l'écosystème des crypto-monnaies et tout ça aussi mettant en lumière le Shiba. Alors, tous ceux qui n'ont pas encore compris que le Shiba est un petit Bitcoin, car les thèmes sur lesquels le Shiba intervient là-bas, ce n'est pas véritablement des thèmes, sur le même coin et tout ceci. Le Shiba intervient sur la décentralisation. À quel niveau la décentralisation, jusqu'à combien de pourcents le Shiba est décentralisé, jusqu'à, ça dit, quels sont les différents produits qui ont été mis derrière le Shiba pour le rendre encore plus décentralisé. Voilà les thèmes sur lesquels Satoshi Kusama intervient là-bas. Notons ainsi que le Bitcoin a eu toute cette popularité à cause de sa décentralisation et ses attributs-là sont récupérés par le Shiba aujourd'hui pour faire la promotion des crypto-monnaies totalement décentralisée et déflationniste. Voilà ce que c'est que le Shiba, et à cette conférence, il va prouver davantage à ce détracteur que voilà, vous n'aimez pas, mais vous allez comprendre que voilà, il y avait les Solana qui étaient là, il y avait les Avalanche qui étaient là. Tout cela n'a pas été sponsor officiel, c'est le Shiba qui a été pris. Et deuxième fois, c'est la deuxième fois consécutive qu'ils sont appelés pour être sponsor officiel. On dit chez nous, alors quand on a fait notre amusement d'aujourd'hui, si ça a été intéressant, on dit amusement qu'on a fait hier, là, on fait encore. C'est passé pour hier, pour l'année dernière, c'était intéressant. Et cette fois-ci encore, on lui a donné encore la possibilité de venir édifier encore les gens à travers le virtuel, à travers toutes les innovations qui sont faites. Et parce que le Chiba a prouvé l'année dernière que c'est une valeur sûre qu'on lui donne encore. Sinon, il y a plusieurs partenaires qui sont là. Pourquoi on ne leur donne pas le partenariat officiel? Mais c'est au Chiba qu'on donne ce partenariat officiel. Alors, sachez lire entre les lignes, pour ceux qui savent lire entre les lignes. Alors voilà les informations importantes que chacun doit tirer de cette publication d'aujourd'hui, cette capsule d'aujourd'hui. Une autre information importante, il s'agit cette fois-ci de Wall Street. Alors, Chicago Mercantile Exchange lance ainsi le trading comptant sur le Bitcoin. Alors, c'est une plateforme qui est bien réglementée et cela attire beaucoup de traders là-bas. Et les traders raffolent pour les plateformes qui sont sécurisées, réglementées. Alors, ils peuvent notamment se lancer dans le trading avec les contrats à terme. Ils peuvent se lancer dans le trading avec beaucoup de leviers et tout ceci étant sur des plateformes assez intéressantes et garanties. Alors, tout cela dénote que Wall Street... Après les ETF, alors on laisse la possibilité à d'autres structures aujourd'hui de faire des échanges sur le Bitcoin comme n'importe quel autre devise spéculative. Cela dénote de l'adoption du Bitcoin dans l'écosystème mondial vers l'écosystème traditionnel de la finance. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant pour les traders, pour aussi vraiment... la crypto-monnaie dans toute sa généralité. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne de niveau, surtout dans la description de cette vidéo et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Voilà. La prochaine formation au niveau
de la ville de San Pedro, c'est prévu le 24 et le 25 mai. Alors, allez interagir rapidement avec le grand leader qu'on appelle Tebi José du côté de la ville balnéaire de San Pedro. Après San Pedro, nous allons à Abidjan et la formation d'Abidjan est prévue le combien? Alors, le 6 juillet prochain, allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth du côté voilà, d'Abidjan et ça se passera à la bourse du travail de 13 villes. Après, là-bas, nous partons à Oumé et la formation d'Oumé est prévue le 24, voilà, est prévu le 20 et le 21, voilà, le 20 et le 21, voilà, est gié juste après Abidjan, voilà, pour, voilà, permettre à ce que, voilà, les uns et les autres, voilà, puissent tirer profit, voilà, des différents échanges, voilà, sur la crypto-monnaie. Alors, nous avons aussi été invités, voilà, pour participer aussi à une conférence au niveau d'Abidjan, et voilà l'affiche qui s'affiche ici, hein. Alors, c'est une conférence aussi qui a été organisée par certains amis. Voilà, nous avons été invités pour intervenir là-bas. Voilà, donc, là, cette période aussi, ça se passera le 13. Voilà, du côté voilà, d'Abidjan aussi. Voilà, et donc, vous aurez plus d'amples informations voilà, sur voilà, cet événement aussi. Voilà, où nous avons été appelés pour intervenir là-bas. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour les formations en ligne, le numéro se trouve aussi dans la description de cette vidéo. Sachez toujours que la chance accordée accordera toujours. C'est faveur aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.